Il n'y a pas les ados. Alors, j'ai eu envie de vous consacrer un sujet parce que j'ai constaté un agacement des ados, notamment quand on leur pose la question fatidique et qu'on vous demande qu'est-ce que vous allez devenir plus tard? Alors, en fait, les ados, vous vivez une époque très difficile, vous êtes souvent très angoissés, c'est pas de votre faute, vraiment, il faut relativiser. Et c'est normal que vous n'ayez pas de réponse stricte à apporter à ces questions. Le monde est en train de changer. Dans le titre de ma présentation, voilà, je vous ai parlé d'emplois, on va dire, traditionnels, pompiers, voilà, huissiers, avocats, médecins, cordonniers, boulangers, pâtissiers, artisans. Il existe plein de métiers, ça, ce sont les métiers traditionnels. Et maintenant, en fait, on a de l'innovation qui arrive. Vous êtes tous sur vos réseaux sociaux, vous êtes tous en train d'utiliser Internet, et je crois que vous avez bien compris que aujourd'hui, il y a un monde et une ouverture qui se crée. Donc cette ouverture qui se crée, il faut bien que vous l'analysiez, vous, les ados, parce qu'il y a énormément de risques en utilisant Internet. J'espère que, et je constate que l'éducation nationale vous sensibilise là-dessus. Franchement, faites attention, vraiment, prenez soin de vous. Il y a des gens malhonnêtes partout, donc faites attention. Mais néanmoins, je reviens au sujet. Sur votre avenir, c'est que vous l'avez compris, en fait. Pardon, vous l'avez compris et pas, c'est que voilà, vous avez des nouveaux métiers qui se créent. Donc si vous ne savez pas définir exactement au jour d'aujourd'hui les gens, aux personnes qui vous demandent ce que vous allez faire dans l'avenir, bah, une dénomination de fonction, bah, rassurez-vous, c'est peut-être qu'au fond, elle n'existe pas encore et qu'elle va arriver, cette dénomination de fonction, parce qu'au fond, bah, c'est vous qui allez les créer, vous êtes libre de créer ce que vous voulez. Donc soyez créatif justement et au lieu de vous renfermer sur vous-même, de manquer de confiance en vous parce que vous ne répondez pas aux exigences du système scolaire actuel et que peut-être à l'école vous avez l'impression d'avoir des mauvaises notes et que vous n'êtes pas bon, ça ne veut absolument rien dire ne pas être bon. C'est hyper subjectif. Il y a énormément de gens qui ont tout simplement, qui sont des autodidactes en fait, qui aiment apprendre par eux-mêmes, qui aiment comprendre en fait par eux-mêmes. Et vous n'êtes pas forcément dans un décrochage, je vous l'assure. Et vos rêves, même les plus simples aux plus complexes, ils peuvent être réalisés. Alors pour ça, donnez-vous les moyens. Vous n'êtes pas obligé d'annoncer à grande volée en fait vos projets professionnels parce que vous avez du mal à les voir tout simplement, et je vous comprends. Même pour nous, plus âgés et parfois diplômés, c'est super difficile. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, relaxez-vous, détendez-vous, acceptez de ne pas avoir une réponse claire et courte pour l'instant, accordez-vous. Continuez à mûrir, parce que de toute manière, dans la vie, bah, maintenant, votre espérance de vie va augmenter si vous prenez soin de vous. Mangez, bougez, surtout ne fumez pas et ne consommez pas de drogue. Mais voilà, si vous prenez soin de vous, vous devriez vivre beaucoup plus longtemps. Donc forcément, vous avez un délai de réflexion qui est rallongé comparé à vos parents. Donc c'est normal qu'ils stressent parce qu'eux-mêmes n'ont pas de vision sur une vision à court terme sur leur vie immédiatement, quoi. Tout semble difficile peut-être pour vos parents. Donc ils s'inquiètent pour vous. Et vous, quand vous voyez vos parents vous s'inquiéter pour vous, ça vous stresse. Donc soyez plus intelligent, essayez de les rassurer. Et vous aussi, gagnez en confiance et soyez certain que dans l'avenir, tous les rêves vont pouvoir être réalisés s'ils sont, s'ils sont possibles et si vous réalisables, je dirais. Mais voilà, tout est fait pour être tenté. Et au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous dire, par exemple, que vous avez des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées hautement ou alors diplômées et qui osent l'entrepreneuriat. Maintenant, vous avez les possibilités de créer des projets pour 0 €. Donc, et de gagner de l'argent. Donc allez-y, testez, ça ne vous engage à rien, si ce n'est bien sûr votre crédibilité et de gagner en professionnalisme pour plus tard. Soyez crédible en fait, soyez mature et apprenez à mûrir, après ajustez la barre et vos objectifs. Rien ne sert de mettre des objectifs trop hauts. Il y a des gens qui avancent comme ça. Mais le problème, c'est que ça peut engendrer des frustrations et vous sentir pas bien après, quoi. Donc essayez de mettre en place des objectifs atteignables et progressifs. Puis même si vous n'avez pas de nom sur à donner, par exemple, lors des repas de famille, lorsque mamie vous demande 15 fois ce que vous allez faire, vous pouvez expliquer à mamie que le monde change, c'est peut-être difficile pour elle de comprendre actuellement, mais que vous avez une vision super optimiste, vous avez plein de projets dans la tête, mais que ces projets, pour l'instant, ils sont en train de mûrir. Donc vous êtes en train d'étudier si oui ou non ils sont faisables. Point. Vous êtes un ado réfléchi. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, vous
Vous capitalisez de l'information. L'école, c'est importante également, parce que l'école, en fait, elle va vous dispenser les bases de l'apprentissage. Et c'est pour ça que vous, même si parfois le système éducatif peut vous paraître lourd, il présente des intérêts, ce système éducatif. Il n'y a pas que enfin, pas que du contre, je vous l'assure. Donc, prenez ce qu'il y a à apprendre et moi, je vous assure, construisez la vie que vous voulez construire. Tout est possible. Dans l'entrepreneuriat, on voit des gens avec un âge. Voilà, j'ai envie de vous parler de quelque chose. Vous, les jeunes, vous êtes très sensibilisés à ça, mais par exemple, vous avez entendu parler du Bitcoin, du blockchain, peut-être. Et notamment, ben, ça, c'est une technologie qui est hyper prometteuse et qui a été mise en place par un jeune, Vitalik Buterin. Donc voilà, si vous voulez aller voir son profil, Vitalik Buterin, ben, c'est un profil très, très jeune. Je ne me rappelle plus son âge, mais. À mon avis, je dirais qu'il a la vingtaine. C'est incroyable, quoi. Donc, c'est génial. Donc, des petits génies comme vous, il y en a partout. Vous êtes un génie. Voilà, on a tous notre petite différence, mais je vous assure qu'en vous, vous avez une part de génie. Donc, utilisez votre créativité, rassurez-vous, et passez peut-être un petit peu moins de temps, en fait, vous, les ados, à vous promener. Parce qu'en fait, vous restez en groupe et vous errez en fait dans des zones d'incertitude, vous restez entre vous. Et je pense qu'au contraire, non, il faut utiliser son temps à bon escient, rechercher l'information et quand vous retrouvez vos collègues pour discuter par exemple autour d'une bière, certainement, eh bien voilà, échanger sur des thèmes intéressants et nourrissez-vous de l'expérience des autres justement pour petit à petit parfaire et peaufiner vos projets, quoi. Puis entourez-vous de gens qui ont peut-être les mêmes domaines de sensibilité que vous. Ça vous évitera de vous battre en fait contre des gens qui n'ont peut-être pas envie de vous écouter. Parce qu'au fond, quand on a un projet, et ben parfois on peut être seul contre tous. Et l'important, je vais dire, c'est pas d'avoir l'approbation de tous vos amis. Vous qui avez envie de réaliser quelque chose, toi l'ado qui veut avoir et qui a une idée dans la tête, et ben t'as pas besoin des autres en fait pour avancer. C'est que si tu juges que ton idée bah, tu arriveras à l'amener jusqu'au bout, que tu n'engages pas vraiment de risque parce que t'as pas beaucoup d'argent, donc tu n'investis pas d'argent, mais que déjà, en fait, tu vas investir de l'énergie, en fait, ton temps. Eh ben, c'est le temps que tu investiras qui fera que peut-être tu créeras tes opportunités. Donc voilà, dans la vie, on n'a rien sans rien. C'est ce que j'essaie d'expliquer et de te dire. En fait, il faut vraiment que tu arrives à comprendre que je te demande pas de. On va pas vous demander de travailler, par exemple, 30 à 40 heures durant. Ça sert à rien. En fait, si tu arrives à travailler, par exemple, 2 heures, mais vraiment avec une concentration maximale, ben voilà, tu avanceras peut-être plus que ce que tu as pu faire en 4 heures. Donc c'est à toi de définir en fait ton temps d'investissement en fonction de tes objectifs. Est-ce qu'ils sont hauts, est-ce qu'ils sont bas, et est-ce qu'ils vont être réalisables? Mais moi j'ai envie de te dire, tout est réalisable. Et on nous donne aujourd'hui l'opportunité de tout réaliser. Après, il y a quelque chose pour lequel vous n'êtes pas vraiment sensibilisé, mais c'est la réglementation. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire sans réglementation. Je fais peut-être allusion à des choses. Je vois énormément de jeunes, en fait, voilà, utiliser des chaînes YouTube, rediffuser des chansons ou voilà. Après, ce que je voudrais dire là-dedans, c'est juste que voilà, il y a une réglementation autour des droits d'auteur, par exemple, mais il y a également la protection de vos données personnelles. Donc ça, c'est les photos que vous communiquez, les informations que vous donnez. Donc il faut faire attention à tout ça. Voilà, restez vigilant. Surtout, surtout, restez vigilant. Et en fait, ce que je voulais essayer de vous dire, c'est que dans la vie, vous pourrez tout faire. Si vous voulez devenir informaticien, bah, forcément, il y a du travail. Puisque le monde de l'informatique va se développer autour des robots, les algorithmes, la science mathématique. Donc oui, on demande des gens de plus en plus diplômés. Mais à côté de ça, on va quand même avoir une conservation de certains métiers manuels parce qu'on ne pourra pas les informatiser. Et puis à côté de ça, il va y avoir la création de nouveaux métiers parce que si on met en place une relation, enfin une vie avec un peu plus de robots, il y a aussi des gens qui vont travailler justement dans la mise en relation de l'humain et le robot pour l'accompagner. Donc ça peut être du consulting, mais ça peut être aussi du coaching en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire des études approfondies, vous pouvez choisir de maîtriser une solution et de faire du coaching sur une solution que vous maîtrisez. Donc voilà, ça c'est stratégique, ce sera fonction de vous. J'essaie de vous donner des idées, d'essayer de vous montrer que c'est possible, il faut juste être curieux. Et que quand on est curieux, on peut tout faire. J'ai envie aussi de vous parler par exemple de voilà, des technologies, parce que je trouve qu'en fait, elles pourront vous apporter beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et je sais que vous êtes curieux, je sais que vous êtes très habile avec l'outil digital et numérique. Et j'ai envie de parler aussi, par exemple, des drones.
Les drones, en fait, ils vont avoir plein d'applications. Si vous regardez les blogs et que vous cherchez un petit peu les mots-clés, vous allez voir toutes les applications possibles des drones. En fait, vous achetez un drone et vous l'équipez avec des logiciels et vous créez votre entreprise. Il faut l'enregistrer, bien sûr, mais après, vous pouvez faire des partenariats avec des agriculteurs ou autres et développer, en fait, ce qu'on appelle, en fait, un service, c'est-à-dire une utilité autour, de cet investissement. Donc dans ce cas-là, il y a un investissement, bien sûr, mais des fois, vous n'avez pas besoin d'investissement. Et quand vous avez en fait des idées, mais pas beaucoup d'argent, en fait, il existe d'autres moyens. C'est ce qu'on appelle aussi les incubateurs. Et les incubateurs, en fait, ils présentent énormément d'avantages parce qu'ils vont vous permettre de vous rassembler en fait dans un lieu où on va vous mettre à disposition du matériel. Et même en plus de ça, c'est que si vous aviez l'impression d'être isolé avec votre projet, ça va vous donner l'opportunité de vous rapprocher d'acteurs investis dans votre projet et qui au contraire vont peut-être pouvoir vous aider à le concrétiser, à l'impulser, à le catalyser, en fait à le faire émerger quoi, à le concrétiser. Donc en fait, eux, ils vont vous aider. Et si vous allez même un petit peu plus loin et que votre projet, en fait, il attire l'attention, parce que vraiment, il peut porter une réponse à des demandes et des besoins, voire même il peut amener une phase de rupture, c'est-à-dire que il va créer de nouveaux besoins et de nouveaux usages, en fait, avec une toute autre forme de solution, des solutions traditionnelles. Donc voilà, si votre projet, bref, je résume, je suis désolée, je vous perds, hein, vous devez avoir du mal à me suivre, les loulous. Allez, je ralentis. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que si votre projet, il va apporter une utilité qui vaut le coup, tout simplement, en fait, vous trouverez des financeurs et vous n'aurez peut-être pas à aller vers les banques pour prendre un prêt et prendre des risques. Voilà, puisque vous n'avez déjà pas beaucoup de moyens, donc rien ne sert de prendre des risques. Et en fait, le risque que vous pourriez prendre, c'est tout simplement de faire évaluer vos projets par la communauté. Et si la communauté, en fait, décide, par l'utilisation de plateformes collaboratives, hein, de valider votre projet, à ce moment-là, vous pourrez présenter, le financement, à la communauté. Voilà. Par contre, je vais faire un petit rappel des points réglementaires, c'est que si vous présentez un projet, moi je vais vous demander d'être rigoureux, rigoureux également envers le consommateur, parce qu'il y a une réglementation à tenir et si vous arrivez à acquérir ce stade de maturité, les ados, vérifiez juste, voilà, la réglementation. Vous savez, j'ai envie de vous parler de la CNIL avec les données personnelles, faire attention, une entreprise, elle est toujours enregistrée au RCS. À partir du moment où vous gagnerez de l'argent, vous devrez, et que cet argent est régulé dans tous les réguliers, dans tous les cas, il vous faudra déclarer votre activité. Donc si ça vous intéresse, moi j'ai fait d'autres formations sur les différents statuts en fait auto-entrepreneurial, avec les fiscalités associées, et ce que vous pouvez faire, parce qu'il faut savoir que par exemple, si vous ne voulez pas prendre de risques, vous pouvez également cumuler les activités. Vous avez des statuts un peu spécifiques qui vont vous permettre en fait de développer votre activité, par exemple sur le net. Parce que le net, ça présente un avantage, c'est que vous n'avez personne à payer, vous pouvez tout faire vous-même. Donc forcément, ça réduit votre risque. Vous prenez que des opportunités, potentiellement celles de réussir. Donc, et à côté de cette activité, vous la développez progressivement sur vos temps libres. Et puis à côté, vous pourriez même envisager, pour vous aider dans la vie, si vous avez des difficultés, d'avoir une activité salariée. Et pourquoi une activité salariée? C'est que si vous êtes capable de mûrir sur un bon projet, essayez de cibler une activité salariée dans laquelle en fait vous allez pouvoir capitaliser des connaissances qui vous permettra de concrétiser votre projet. C'est-à-dire qui va vous aider en plus de ça à le réaliser. Et voilà, quand vous entrez dans cette entreprise, tout simplement, sur le plan légal, vous êtes couvert parce que vous avez droit d'avoir deux activités. Donc il y a des statuts un peu spéciaux pour ça, il faut se renseigner. Ou alors, voilà, avec d'autres blogueurs, il y a plein de gens sur Internet qui aujourd'hui en fait vous renseignent sur le e-business. Et je pense que vous, les digitales, un peu les digitales natives, on vous appelle, c'est vous êtes né avec Internet, vous avez cette sensibilité en fait hein, à l'Internet, à la compréhension, et vous, forcément, vous êtes les utilisateurs de demain. Donc voilà, donc il y a plein de solutions e-business, et le e-business, c'est peut-être aussi une nouvelle catégorie d'emploi, celle dont vos parents ne vous parlent pas, mais qui, à mon sens, en fait, devrait vous donner un petit peu le sourire. Et vous rassurer parce que voilà, moi j'ai envie de vous dire que tout est possible. Prenez juste le temps de respirer. Si je pouvais vous donner une petite précision, c'est si vous vous sentez mal dans votre peau, en tout cas vous, l'ado, ça peut arriver. Moi je suis passée par là, c'est souvent dû à un manque de confiance également en soi.
Et je pense que dans la vie, les expériences, elles sont là pour vous redonner progressivement confiance en vous. Donc saisissez-les, acceptez l'échec parce que c'est justement grâce à l'échec qu'on apprend. Donc il faut le voir au contraire comme une opportunité. L'opportunité d'apprendre et de progresser. Par exemple, si vous vous mettez face à une cible, que vous avez un arc dans la main, par exemple, vous allez tirer 6 flèches avant d'arriver au centre. Là, on va pouvoir dire que progressivement, vous vous êtes rapproché du centre, donc vous avez gagné en efficacité. Ça, c'est la progression. Puis, dans d'autres cas, en fait, vous allez être tellement bon et vous avez tellement préparé votre projet, vous avez fait une analyse, en fait, et vous avez été très malin, vous avez capitalisé toutes les connaissances, et puis vous vous êtes informé sur les risques. Et là, en fait, vous tirez votre flèche et vous la tirez droit dans le mille. C'est ce qu'on appelle l'efficience. Et l'efficience, c'est un gain de temps. Et le gain de temps, en fait, ça permet quoi? Ben, ça permet de libérer l'esprit, de vous sentir mieux, de vous sentir moins stressé, et voilà, d'aller vers, à mon avis, je dirais, l'excellence, parce qu'en fait, tout simplement, vous allez libérer votre créativité. Et votre créativité, c'est quoi? Ben, c'est votre vous intérieur, c'est ce que vous êtes, vous. Voilà. Je crois que c'est Freud qui en parlait, peut-être que vous l'avez vu à l'école, moi je ne me rappelle plus pour les philosophes. Ouais. Et voilà, mais les psychanalystes, mais voilà, vous l'avez peut-être vu à l'école. Mais voilà, il y a votre soi intérieur et lui, il demande à s'épanouir. Donc, on a tous droit à la vie, on a un super environnement, on devrait être vraiment satisfait de ce qui nous entoure. On a encore notre environnement qui tient sur ses pieds, il faut le préserver, il faut que on construise vraiment une génération qui soit, à mon sens, raisonnable et raisonnée. Et pour ça, en fait, c'est vous qui allez lui donner un sens. Donc voilà, mais faites-le passivement et sans dépenser trop d'énergie et de stress. Voilà, tout vient à point à celui qui sait attendre. Il faut juste prendre un peu le temps de la réflexion au préalable pour savoir où on met les pieds. Tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt. Yé, palado!